on allait tous se confiner à cause de cette pandémie qui frappe la terre et toutes ses industries. Faut rester à la maison, ça a l'air que c'est la meilleure façon pour éviter de la propager et de nous-mêmes s'en éloigner. Serait-ce une punition de la terre qui a pollué notre univers avec ses grandes cheminées qui nous boucanent dans la journée? On a peur de nos amis, c'est comme si c'était des étrangers. Quand on les voit, faut reculer, à 2 mètres faut rester. On compte les morts par milliers, on ne sait plus où les entasser. Plusieurs d'entre eux sont partis tout seuls, sans personne pour les cajoler. Des arcs-en-ciel dans les fenêtres, dessinés par nos enfants, pour penser aux jours meilleurs et de se rappeler du bonheur. Serait-ce une punition de la terre qui a pollué notre univers avec ses grandes cheminées qui nous boucanent dans la journée? Faudrait jamais oublier nos anges gardiens qui, pour nous sauver, ont risqué leur vie à chaque journée. Quel beau geste pour l'humanité! Comme le disait Jennifer Russell, médecin en charge pour cette maladie, faudrait jamais baisser les bras, et tous ensemble on vaincra. Serait-ce une punition de la terre qui a pollué notre univers avec ses grandes cheminées qui nous boucanent à la journée? Et quand ceci sera tout fini, on sortira un peu affaibli, mais tous ensemble on pourra crier: c'est terminé, ça va bien aller. C'est terminé, ça va bien aller.